de journalistes, bientôt, vous pourront être substitués par un personnage virtuel. Je ne vous le souhaite pas, évidemment, mais... Moi, je m'appelle Éloi Gérard, je suis belge et je suis arrivé en Chine, à Shanghai, il y a un peu plus de 9 ans. Et ça fait maintenant 6 ans que je travaille dans la réalité augmentée, réalité virtuelle. À Shanghai, quand je suis arrivé, j'ai essentiellement travaillé pour le monde de la publicité. Je suis devenu fan de Shanghai immédiatement. C'est complètement moderne ici, c'est hyper développé. C'était au moment où on commençait à vraiment diffuser beaucoup de vidéos sur les plateformes en ligne. J'ai créé une application qui s'appelle Anna et qui est une application en réalité augmentée qui s'utilise dans les hôtels. L'idée, c'est que quand le client arrive dans sa chambre d'hôtel, hop, il peut scanner un QR code et ça lui permet d'accéder à un petit personnage qui apparaît dans son téléphone et qui apparaît en fait dans la chambre d'hôtel. Bonjour, CGTN français, I am Anna. Nice to meet you. En Chine, les hôtels sont gigantesques, ils ont énormément de services. Donc, comment est-ce qu'on fait pour répartir cette information de manière correcte pour que le client puisse très facilement demander quelque chose? Plus qu'un personnage virtuel, l'idée c'est d'offrir une opportunité aux hôtels de pouvoir eux-mêmes configurer Anna. Et donc on a créé une interface d'administration qui permet au GM de l'hôtel, au personnel, au staff de l'hôtel, de pouvoir aller sur l'interface d'Anna et de configurer, donc de choisir ce qu'elle dit, en fait un personnage digital, et donc qui permet de créer automatiquement une distanciation sociale. En Chine, l'épidémie de Covid-19, elle s'est arrêtée extrêmement rapidement. La notion de quarantaine avait vraiment un sens. Donc ça a été complètement efficace, ce qui nous a aidé à reprendre la vie économique complètement et immédiatement. Le reste du monde ne se rend pas compte à quel point ça a été efficace et ne nous croit même pas. Quand on en parle, on dit mais non, ça n'est pas possible, nous on est en train d'avoir énormément de problèmes avec ça. Malgré l'épidémie, moi je suis resté très très concentré sur cette industrie et sur les produits qu'on construit là-dedans. Je suis vraiment passionné par cette idée de construire une nouvelle façon d'interagir avec l'information. Alors la réalité virtuelle, c'est porter un casque dans lequel on n'a pas de relation avec le monde réel. Donc où on est complètement fermé et on projette une image qui recrée un monde virtuel qui n'a aucune référence avec là où on se trouve. La réalité augmentée, c'est que je porte des lunettes qui sont transparentes, où je visualise par un écran transparent le monde réel et on ajoute un modèle 3D ou une animation au monde réel. Je vois la chose comme le futur et comme ayant beaucoup d'applications, même si maintenant c'est dur. Dans quelques années, il y aura de plus en plus d'applications et de contenus qui vont se développer pour utiliser ça. L'industrie, elle est encore dans un état émergent. Il y a tous les grands acteurs de l'industrie sont en train de faire. Il y a des startups qui sont maintenant très bien financées, qui font les très bonnes choses. Il y a Huawei qui fait ça aussi. Il y a un petit peu tout le monde qui se lance dans ce genre de choses. Cet écosystème en Chine, c'est surtout le hardware. C'est dans les usines du Guangdong qu'on produit la plupart des casques VR du monde. Je pense que 90% de tous les composants, sauf la puce, qui généralement vient des États-Unis, mais sinon tout le reste vient de Chine et est produit en Chine. Donc la contribution de la Chine, bah, elle est énorme. Là où à l'étranger, ça va être complètement l'inverse. Ça va être d'abord les studios de jeux vidéo, ça va être beaucoup plus des plateformes ou des softwares qui sont le driver de l'industrie elle-même. Il y a plein d'opportunités pour faire ça. Je pense qu'en Chine, c'est plus facile qu'ailleurs. Il y a plein de collaborations qui se créent là-dessus. Alors, je pense qu'il y a une immense différence entre la façon de travailler entre la Belgique ou l'Europe et la Chine. En Europe, on est très inefficace. Donc, en Europe, on est très lent. Ici, non, on est dans l'action. Hop, on va réfléchir à ce qu'on fait, mais très rapidement, on va avoir... OK, on va faire un projet. Fondamentalement, ça peut être plus facile, je pense, pour une start-up étrangère, en tout cas, de démarrer en Chine avec des premiers produits. Forcément, c'est un immense marché, mais il y a une compétition gigantesque. Donc, il faut assez bien réfléchir. Le marché, il est très différent du reste du monde.
comportent, les gens ont des comportements différents, ils ont une vision de comment utiliser le digital qui est beaucoup plus avancée que dans le reste du monde. On utilise les réseaux sociaux beaucoup plus. Donc quand on arrive ici, la première chose, c'est vraiment de se demander ce qu'on va faire avant de le faire.